Je vais te dire honnêtement ce que tu peux faire pour tous ces gens qui souffrent. Pour les personnes qui sont loin de toi, tu ne peux pas faire grand-chose. Par contre, tu peux aider tes proches. Il y a dans la vie des personnes qui ont besoin d'être actifs, et ce sont ces personnes-là qui vont aller près des pauvres. Il y a des personnes qui sont plus dans la prière, alors évidemment, toutes les personnes qui sont loin de Dieu trouvent que ça ne sert à rien. Évidemment, ils n'ont pas la foi. Par contre, nous savons que Marie rassemble les catholiques pour les aider à devenir saints, pour que leur prière soit le plus efficace possible. Et Marie nous demande de jeûner le mercredi, le vendredi, et que le jeudi, on fasse un sacrifice qui nous coûte. Par exemple, celui qui fume, arrête de fumer, et celui qui boit, arrête de boire. Marie est une gagnante. Si elle vient sur terre, comme reine de la paix, c'est qu'elle va installer la paix sur la terre. La paix veut dire être remplie de Dieu. Marie a déjà gagné. Si elle nous demande de prier, c'est que le monde a besoin de prière. Si elle nous demande de jeûner, c'est qu'on a besoin de se purifier pour lutter contre le démon. Marie ne fait que nous répéter l'évangile avec des mots modernes. Car quand Jésus a parlé, il a pris des références dans la nature. Le blé, les figuiers, les brebis, l'agneau, les poissons. Marie n'invente rien. Si elle est venue sur terre, c'est qu'on a besoin d'elle, parce qu'on va droit dans le mur. Dieu veut que ça soit une femme qui sauve le monde, car c'est une femme qui l'a condamnée. Je le répète, toutes les personnes qui ne croient pas en Marie ont parfaitement le droit de ne pas prier Marie. Et tous les conseils que je donne, vous pouvez les appliquer à Jésus. Ça marche aussi. Et pour ceux qui ne croient pas, ils n'ont qu'à réfléchir un peu, car donner ses souffrances à Jésus, ou prier avec le cœur Jésus, ou lui faire des sacrifices, ça va plutôt dans le sens de la Bible. Je le répète, pour les prêtres qui sont un peu perdus, il faut agir comme Jésus a géré. Aider les pauvres, les malades, donner sa souffrance, prier, évangéliser. Occupez-vous des malades et de ceux qui souffrent. N'hésitez pas à faire des cérémonies avec des prières collectives pour eux. Les armes sont le chapelet, le rosaire, le jeûne, l'Eucharistie, la lecture de la Bible, la messe. Apparition de Jésus. On peut voir, sur ces images, Jésus marchant dans les nuages. Vidéo impressionnante. Voici mes t-shirts. Actuellement, moins 10% avec le code promo LoveSick. Ils sont sous la vidéo. Prière. Merci de prier pour tous les prêtres qui sont en grande difficulté et qui luttent tous les jours. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, ma famille est loin de Dieu. S'ils ont besoin d'aide, n'hésite pas à prendre les jeûnes et les messes que je t'ai donnés. Marie, prie pour que je voie les grâces que tu me donnes. Marie, prie aussi pour m'aider à parler à Jésus pendant la messe. Prie Marie pour m'aider à te parler des sujets qui t'intéressent. Et enfin Marie, je te consacre ma mort et celle de mes proches pour que ça ne me pose plus de problème. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fermez les yeux et répétez après moi. Toi qui connais nos douleurs et nos peines, toi qui as souffert de Bethléem au calvaire, console tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, tous ceux qui ressentent un ardent besoin d'aimer et de donner. Ô Mère consolatrice, console-nous tous. Aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est dans la fidélité et la bonté de ton Fils Jésus. Nous te rendons gloire et nous t'offrons des actions de grâce, maintenant et toujours. Amen. Et pour finir, un autre Père, comme Marie nous l'a demandé. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. J'ai remarqué que les trois quarts des personnes qui me regardent ne sont pas abonnées. Alors que c'est gratuit et ça n'engage à rien. Il suffit de cliquer sur « S'abonner » en rouge sous la vidéo. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle, voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr.